Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle map aventure sur Minecraft PSK, donc avec Fox. Ouais, c'est les gars. Donc la dernière map aventure, j'étais pas avec lui, je l'ai fait solo parce que je l'avais pas mis au courant tout simplement. Mais au final il voulait la faire avec moi. Donc ça va être une map aventure plutôt dans le style zombie. Ça a été une map remasterisée, enfin je sais ce qui était marqué mais je pense pas que ça ressemble. C'est Resident Evil. Donc on va voir un peu ce que la map donne. Elle a été créée par un français, donc Fox, tu nous lis les règles. On voit qu'il sait très bien écrire, sortir, bon, on va calmer les choses. Ne pas sortir de la zone de jeu, jouer en difficile ou en normal. Ne pas détruire de blocs. Ne pas changer les réglages du jeu sans cesse. Marcher sur les plaques, cela fait partie du jeu, d'accord. Mettre le volume de la musique sur 0%. D'accord. Jouer en mode aventure, établissez votre point d'apparition avec des lits. Respectez l'ordre sans H, des leviers avec un S renommé et S, ne pas modifier le contenu des distributeurs avec un S. Ok, donc j'ai mis le mode aventure en mode normal. Moi, on s'est givé 2-3 steaks parce que c'était déjà la S. Donc, astuce, tu les lis ou je les lis? Comme mettre les droits aussi. Vous trouverez vos équipements de départ dans le hall du manoir. Vous rencontrerez des portes en fer, utiliser des leviers renommés pour les ouvrir. Exemple, levier, portail avec porte en fer. On comprend rien. Utilisez les coffres de l'Under pour stocker et récupérer tous vos objets au cours du jeu. Ok, voilà. Donc la map, c'est ici le nom, c'est The Horror Maison. Bienvenue sur la The Horror Zombie. Donc, on va mettre les droits si je suis modérateur à Monty. Mais je te les ai mis, gros. Moi non plus, je les ai pas. C'est mode aventure. Ça le baltrain, il est. Bon, on peut pas casser le bloc alors. Non. Tous les... T'as utilisé le bon levier? Ouais. En gros, pour chaque porte en fer ou quoi, il faut falloir trouver un levier. Donc voilà. Donc alors, pour les équipements multijoueurs, appuyez sur le en même temps. Vas-y, 1, 2, 3. Je pense que c'est un merde là. Ah, levier. Même levier. Attends, faut appuyer sur les boutons, frère. On a pas appuyé. Ah, attends. Attends, c'est pas censé nous donner quelque chose. Manoir Spencer, ça sert à rien. Ok. Attends. Ah, attendez, volume de la musique aussi. Ouais, non, on s'en fout. Alors, Manoir Spencer. Je vais enlever la pluie, ça casse les couilles, frère. Non, gros, c'est fait exprès. Attends, je baisse mon volume de son. Là. Non, j'ai quasi mon casque pas trop fort. Aussi, ce sera des vidéos de 15 minutes comme la map One Piece que j'avais faite. Hein. Vidéo de 15 minutes, ça suffit largement. J'espère que vous entendez moi. Ouais. Bon, allez, on entre. Qu'est-ce qui a marqué? Équipement multijoueur. Épine 3, ok, truc inutile. Hop. Bon, alors, dans le coffre, là, y'a quoi? On fait passer la nuit, quoi. Vas-y, je prends des bottes et un truc. Ou à moins qu'on a tous une tenue complète, non? Vas-y, dors. Attends. Mets les lits dans le dans l'Under Chest. Ouais. Ça va être l'artiste. Après. Ah bah, on peut pas le casser. Bah, on reprend. Eh, j'ai pris Ah, on les met dans le... What? Ouais. Oh bah j'ai déjà des trucs dans mon Under Chest. Sérieux? Bah pas toi. Non. Moi j'ai une épée, un full cuir et 6 pommes dorées. Tiens, équipement multijoueur en même temps. Tiens, viens, je te donne 3 pommes dorées vu que j'en ai 3 aussi. Regarde les épées, sont renommées comment? Regardez. C'est marqué. Regarde, y'a quoi épine sur les épées? Bah je sais, épine 3. Bah ça sert à rien. Mais c'est fait exprès mon frère. Vas-y, prends-en. J'en ai pris qu'une mais je suis con, c'est du coup. Vas-y. Bon alors, on commence par où, droite ou gauche? Ah merde. Je me connais. C'est quoi ce squelette bizarre là? C'est un squelette. Ah la tête. Alors, grand couloir. Ok, donc déjà on n'a pas de levier donc on peut pas y accéder. C'était marqué qu'il fallait marcher sur les plaques de pression. Ouais, bon, on va jouer le jeu, hein, on va marcher sur les. Attends, on va marcher du coup.
c'était marqué qu'il fallait jouer le jeu, marcher sur le bac de pression, donc on va le faire, hein, y a pas de problème. Donc on va faire tout le bas, puis on passera vers le haut. Ok, donc là il y a déjà un zombie. Vas-y, t'es con, frère. Ouais, je commence, toi, tu m'as tapé. C'est moi. Ok, donc là il y a un tripoyeur, mais il fait rien. Ok, là il y a encore un dispenser, donc zombie, je suppose. Ah oui, pour info, on va peut-être informer tout le monde. On va reprendre la map zombie, je pense. Ouais, on va là. Ah, en construction. Ouais. Enfin, t'as vu, c'est ça, on peut l'éviter quand même. Ouais, mais non, faut jouer le jeu, sinon on va jamais avoir de zombies. Vas-y, je te laisse les deux pommes, hop. Pourquoi c'est fermé ici? Ben, à mon avis, c'est parce qu'il faut... Putain. C'est parce qu'il faut une clé. On doit s'ouvrir quand on est de l'autre côté dans le grand couloir. Bon, bah viens, on va en face sur la partie gauche. Et puis après, on montera l'étage hein, si on n'a toujours pas la clé. Ok, donc là, ça a l'air d'être une grande salle. Qu'est-ce qui est marqué? Lumière de la vie. Ah, derrière, là, il y a un truc, mais on peut pas casser de bloc. Ah, il y a un piston derrière, gros. Faut qu'on trouve quelque chose, je pense. T'as vu, il y a un piston. Donc, c'est ici, la torche rouge allume de la lumière. Et le chemin à prendre reste sombre. Attends, on n'avait pas des torches à prendre? Non frère. Non non gros, c'est interdit de casser. Prends pas, prends pas. Torche rouge à la lumière de la vie. Ouais ouais. Ouais mais... Ouais mais... Oh, c'est ça, hein. La vie, c'est pour accéder au coffre derrière. Ah bah si à mon avis, il y avait pas le choix. Attends, grenier sombre. Grenier sombre, je l'ai pris. Ouais mais attends. Attends, parce que... Tu veux pas me filer des bottes comme ça j'ai un petit peu plus d'équipement? Bah il y avait un... Je t'ai laissé un full cuir, tu l'as pas pris? Il y avait pas... Oh, il y avait que ça. Bah tiens. Si. Bon, okay, chacun, là c'est dehors. Une grenier sombre. Je pense que ce sera marqué. Hein. Tiens, y a des pommes dedans. Je t'en laisse deux. Ouais, ouais, c'est bon. Salle de musique. A mon avis, le grenier sombre, ça doit être à l'étage, donc on va accéder à l'étage. De toute façon, on reviendra par là, certainement. Ah, à mon avis, ça a l'air d'être pas mal, quand même. C'est stylé, les gars, de là au-dessus, j'aime bien. Bon, après, c'est sûr, c'est pas des maps avec des constructions de fou, mais bon, y a pas besoin de ça. Si c'est une map aventure, y'a pas besoin de construction. Pas comme notre map, à mon avis, ça va être une map vraiment bien quand on va la finir. Ouais, bah, y a pas beaucoup de travail à faire dessus. Tiens, il y a une porte là-bas. Ouais. Il reste plus grand chose à faire. Hein. Vas-y. La spawn aussi. Ouais, il est là. Putain, il y en a trop. Parce que... Tiens, vas-y, on est là. Sa capote. Alors ça va descendre. Hop. Là il y avait une porte contre lui. Non, du spawn ici. Oh viens, j'ai des deux leviers et des lits. T'as quoi comme levier? C'est quoi les blazes? Grand couloir 2, alors grand couloir on a un, je prends le casque ou tu... Ouais vas-y je prends le casque. Plastron. Et je prends l'épée. Garde le plastron. Ouais mais garde... Ouais. Je prends grand couloir. Grand couloir. Je fais mon spawn ici. Les lits on les met dans le coffre. J'en ai mis quelques-uns, si tu en as d'autres. Tu mets ma carte aussi, parce que quand même. J'ai une pomme. Alors. Bureau du gardien, non, on n'a pas la clé. Ça casse les coups ça. D'accord.
Ouais, enfin, avec les plaques de pression, bon, c'est chiant. Ce qui fait spawn des zombies, et puis il faut en même temps ouvrir la porte, c'est quelque chose. Alors, coffre bonus. Ah, oh, bon, on peut pas le casser. À mon avis, c'est qu'il doit y avoir un petit truc à... Fontaine intérieure. Fontaine intérieure. Ouais. Il y a rien dans la source d'eau. T'as vu, il y a une trappe non. En dessous, gros, faut l'ouvrir. Comment on fait? Ah sérieux? J'avais pas vu. Et là derrière, il y a un coffre derrière la vitre noire. Oh gros, c'est bien ce qu'il avait dit hein, dans cette map. Il y avait plein de secrets, plein d'énigmes. C'est ça qui est stylé. T'as vu, là, il y a une trappe et là derrière la vitre noire, il y a un truc. Tu vois? Il y a un coffre. Viens, un levier. Non, non, bah non. Allez, va se casser. Ouais, même c'est pas triche. Il y aura... C'est fort. Attends, on vient de vue de courir quand même. Alors là, il y a... Tiens ici. Un tioli avec un tioli. Pomme dorée, ben... T'en as combien de pommes dorées? J'en ai 3. Voilà. Tiens, je vais prendre une épée en fer. Vas-y, prends-la, prends-la. Ça fait stylé une arme. Tiens, par contre là il y a un bouton, je l'ai activé, ça peut-être Non non, c'est moi, j'y avais appuyé dessus avant. Mais attends, ça a peut-être ouvert la trappe là-haut ou une connerie. Attends, je vais checker, comme ça j'arrive. Parce que là il y a rien. Pourquoi mon frère, on a pas beaucoup de bouffe hein. Ça a rien à voir, ça a rien à voir. Bah ouais, on s'est give des aigles du coup. Heureusement qu'on s'est gif quand même, hein. Sinon... Donc là on est déjà passé ici, hein. Je crois qu'on revient. Non, non. Si, on est déjà passé, regarde. Ah ouais. Bon, alors on a grand nid sombre, grand couloir. Au pire on va dans le grand couloir parce que j'ai toujours pas trouvé le grenier. Vas-y, bah au pire on retourne là-bas. Au début. Ouais, bah oui, on va aller dans la salle... Attends. Grand couloir. Hein. On n'y a pas été en haut à droite. Vas-y, on ira après, vu qu'on fait grand couloir 1 pour l'instant. Vas-y. Ok, donc là je sais faire ce que les zombies. Ok, il n'y avait rien de spécial derrière nous. Je crois que c'est fait esprit en fait hein, dans les paramètres qui fait. Il a mis désactivé ses coups d'abus, il a plus et tout. Cours extérieur, on n'a pas de levier cours extérieur. Non. Plus des choses, rien de spécial. Hop. Prends le casque, je prends les bottes, vu que j'ai déjà le casque en fer. Un carton d'ancien stuff quand même. Garde ton ancien stuff. T'inquiète. Ok, là y'a rien. Ah, tiens, y'a une ici. Bureau du chef, t'as une autre clé toi? Ouais, mais c'est grenier sombre. Grenier sombre, je crois qu'il y a rien. Attends, on va aller par là d'abord. Bah. Tiens, y'a du stuff ici, j'ai fontaine intérieure. Fontaine intérieure, c'était où? Ah, c'était tout à l'heure. On va mettre du temps je pense pour la faire parce qu'à chaque fois il faut... J'ai pas de jambes, prends le pinceau. Ouais. J'ai pas de jambes moi. J'ai deux clés sur moi. C'est quoi les clés? C'est quoi les blazes? C'est pas toi là Camille, le levier à la porte en fer? Non. Attends viens, j'avais vu un truc là-haut en bas, viens. Je préfère aller qu'on va d'abord en bas. Viens sur moi. On fera le haut après. Mais ça va aller en dessous quand même, sinon on va pas. Non, c'est là, à droite. Ah ouais, il y a encore là et tout. Regarde, ici à droite ou là, viens, on fait le fond derrière. Attends, je crois que j'ai pas marché. On va quand même marcher. Ouais. C'est pas assez sombre, je trouve. Ouais, si, c'est. Cachot. Attends.
Ah bon bah les amis, ça fait 15 minutes. Donc on va cesser là pour ce premier épisode. J'espère que cette map là va vous plaire. Elle a l'air d'être assez sympa pour le début. Donc moi je vais vous dire à la prochaine et on se retrouve pour l'épisode 2. Oui, ciao tout le monde.